Imagine if my name, we don't like what you say. I don't give a fuck, y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck, don't waste my time for this. Yo les potos, j'espère que ça va. Bah moi ça va tranquille. Donc aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo. Donc je suis sur Nuketown, en bien général hardcore. En fait, c'est un sport de là. Et en fait, juste avant de tourner cette vidéo, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, essaye de faire une mêlée générale sans mourir une seule fois. Si tu vois ce que je veux dire. Donc là tu peux voir que c'est mort parce que je suis déjà mort une fois. Il y a 30 secondes en arrière. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais essayer de quand même réussir ce défi. Je vais essayer de faire de mon mieux, on va dire. Donc pour faire ce défi, malgré que je sois mort une fois, on va dire que, allez, on va faire un 31, on va dire. Je vais rester dans cette maison là. D'accord? Donc, non, je ne campe pas. Je zone. Au bout d'un moment, tu peux pas faire des scores de fou sans mourir en rushant comme un porc. Surtout sur Nuketown, en mêlée générale. On est 8 en hardcore. Comment tu veux faire des 30-0? C'est impossible, tu peux pas. Donc moi je me suis barricadé dans cette maison. Donc ça s'appelle pas camper. Camper c'est quand t'es dans un angle, t'attends en mode visé et t'attends comme un con. Non, regarde, je fais pas ça, je bouge, tu vois ce que je veux dire. Donc là ce que j'ai fait c'est que je suis dans la maison, j'essaie de surveiller un peu toutes les entrées, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui rentre là, je le descends. Parce qu'à chaque fois qu'on joue sur Nuketown, t'es obligé de rentrer au moins une fois dans cette maison. C'est obligé. Tu peux pas faire une partie dans Nuketown quand tu rentres pas dans la maison. C'est pas possible. Drone disponible. Ouais. Donc là je viens de débloquer mon drone. Le drone commence ses opérations. Tu vois, je peux l'activer, donc là ça va beaucoup m'aider parce que tu vois il y en avait un qui était à droite que j'avais même pas vu. Que normalement je vais aller descendre. Si je vais aller à l'atmosphère. Mais en fait je crois qu'il jouait pas. Là je pense hein. Tu vois, regarde, encore une preuve que je bouge, ouais, je sors de la maison, j'essaye un peu de faire de mon mieux. Là je débloque moi le storm. Première chose que je fais c'est que je me cache. Pour éviter de me faire tuer. Paf pif, je tue un mec. Donc là il me reste un kill à faire avant que j'ai mon hélico de surveillance. Donc voilà. Pareil. Je l'active sans hésiter. Ouais l'hélico il va m'aider à faire les kills bien sûr. Cible ferrée. La petite barricade de Thor qui fait plaisir. Ouais c'est obligé. Comme ça, c'est un qui arrive au cas où pour casser ta série, il se fait défoncer, tu vois ce que je veux dire? Bon, regarde, je vais te passer la SWAT niveau 10. La SWAT, c'est une arme que j'ai pas énormément joué. Le plus que je jouais, c'est en blackout. Et franchement, elle tue. Franchement, regarde, quand tu tires, ça bouge pas. Franchement, je me suis lancé dedans, j'ai fait quelques parties avant. Et puis, franchement, j'ai kiffé. Donc là, je vais essayer de la monter, je vais essayer de la monter en or. Voilà. Le drone est en place. Regarde-moi cette côté là, regarde-le, c'est une espèce de cul là. Ici sniper, tir réussi. Donc là, je suis à 22 kills. Bah, tu vois, 22 kills, c'est quand même pas mal. Hier, votre drone a été détruit. Alors, je suis à 23-1 là. C'est quand même pas mal, j'ai un score de 23. Un ratio de 23, pardon, excuse-moi. Cible identifiée, on attaque. Je suis à la plus. Deuxième Elite Storm. Hélico de surveillance endommagé. Regarde là, je me couche pour une petite sieste. On a perdu un sniper. Storm paré au déploiement. J'ai un deuxième hélico mon pote. Deuxième hélico. Nid de tireur en stand-by. 27-0. Donc tu vois, si t'as des défis à proposer, tu vois là par exemple le 30-0, je vais essayer de le faire, je vais le tenter. Ou je réessaye, là je suis mort bêtement au début, mais bon, c'est quand même une bonne vidéo. Si t'as d'autres défis à me proposer, une arme ou n'importe quoi, jouer en démolition, n'importe quoi, même si t'es une classe, écoute, je suis à ton écoute, dis-moi tout en commentaire, et puis n'hésite pas à liker et à partager.